Je voulais vous accueillir et vous dire quelques mots très brefs. D'abord pour vous remercier d'être présent pour cette première rencontre IDEO. Merci à tous au nom du maire, Alain Juppé, de l'ensemble du conseil municipal. Je vais vous dire trois choses. D'abord, pourquoi ces rencontres, pourquoi IDEO et pourquoi José Manuel Gonçalves. Pourquoi ces rencontres ? Parce que dans le cadre de la feuille de route culturelle de la ville, de ce document d'orientation culturelle que nous sommes en train de bâtir, il nous est apparu utile que la ville organise des rencontres de réflexion. Je crois que l'action publique correctement organisée, elle a trois phases. L'action, c'est la dernière. La concertation, c'est l'intermédiaire. Et la concertation s'incarnera dans quelques jours par l'installation du Conseil consultatif des acteurs culturels de Bordeaux. Et puis la première phase, c'est la réflexion, et il nous est apparu intéressant, en complément de bien d'autres rencontres qui existent, nous ne sommes pas les seuls, bien d'organiser ce type de rencontres. Tout particulièrement dans le contexte que vous connaissez, si vous êtes artiste, opérateur culturel et même citoyen, d'un contexte financier difficile, sociétal, on aura l'occasion d'en parler ce soir, difficile, dans un contexte où on est peut-être en train de réinventer un modèle culturel, en tout cas un modèle de politique publique culturelle. Pourquoi IDEO ? Parce que idée, bien sûr, c'est l'objet de la soirée, mettre le débat d'idées en avant, échanger nos points de vue, et j'espère qu'à la fin, il y aura un échange avec la salle. Et puis O, parce que orientation et ces rencontres ont bien pour objectif de nous faire cheminer tous ensemble sur ce chemin d'un modèle culturel nouveau. Pourquoi enfin José Manuel Gonçalves ? Eh bien parce que nous avons appris à découvrir José Manuel depuis maintenant plusieurs mois, puisqu'il a accepté de présider la commission d'aide à la création à Bordeaux, qui examine les projets avant qu'ils ne soient transmis au conseil municipal pour un vote. Et donc, il a accepté de présider cette commission avec disponibilité, envie, précision, dynamisme. Vous savez qu'il est sur Paris et il vient régulièrement à Bordeaux pour cette mission. Et puis José Manuel, c'est le 104 que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est la réussite de ce lieu avec une alchimie rare. C'est la direction artistique de la Nuit Blanche, grande réussite à Paris cette année. Et c'est tout cela dont nous allons pouvoir parler, notamment de par une actualité récente qui ne vous aura pas échappé au 104 et qui nous permettra d'échanger ce soir. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Je vous remercie une nouvelle fois d'être là et je remercie les partenaires, les gens qui ont permis cette rencontre. Tout d'abord Loara qui nous accueille, Joël Brouge que je ne vois plus, et l'agence régionale, l'agence culturelle du Conseil régional qui nous accueille dans ses locaux très bien placés et très pratiques. Remercier également la librairie Mola et Station Ozone qui filment la rencontre pour qu'elle puisse être ensuite disponible sur Internet. L'ensemble des personnels municipaux qui se sont mobilisés et Dominique Godfrey qui nous fait le plaisir d'animer cette rencontre. Merci José Manuel, merci à vous tous et excellente rencontre IDEO. Bien, donc avant que vous, nous entamions un dialogue avec José Manuel Gonçalves. Je vais peut-être vous parler brièvement de lui en dehors de ce que vous savez déjà. Donc, c'est l'homme du 104, c'est l'homme de la commission bordelaise, de la commission d'aide à la création. Et donc, voilà, je passais un peu par effectivement le ministère des Affaires étrangères, en tout cas un organisme qui était en charge de la programmation du soutien des ambassades à la programmation de la France à l'étranger. C'est d'ailleurs là où j'ai eu le grand plaisir de croiser Brigitte Broussel, la directrice des affaires culturelles. C'est à ce moment-là qu'on s'est croisés. Puis après, j'ai suivi, au fond,
avec toujours cette idée d'aller sur des projets. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'AFA, elle pourrait en témoigner, c'est un accident de parcours complet. Et en même temps, c'était assez cohérent. C'est quelqu'un qui un jour m'a dit, tiens, ce serait bien que tu viennes là nous aider sur des questions de création. Et j'y suis allé, ça n'a pas duré très longtemps. Je rendais la vie un peu compliquée à tout le monde, en gros. Et j'y suis resté à peu près 2 ans. Je pense que j'ai battu le record du monde du passage dans cette institution où j'ai rencontré des gens merveilleux, mais dans des conditions qui ne sont pas exactement ce que j'aime faire, c'est-à-dire à la fois concevoir des modalités d'action, avoir une réflexion un petit peu sur l'action, puis en même temps... Être sur le mode opératoire et tester sur le terrain un certain nombre de réflexions, mais très vite. Et le temps administratif n'est pas exactement le temps qui me convient le mieux, on va dire. Donc voilà ce qui fait que j'ai repris ce que j'avais commencé par faire, c'est-à-dire effectivement sur une péniche où j'ai commencé à faire de la programmation, je devais avoir à peu près 20 ans, 21 ans. Et c'est effectivement à partir de là que j'ai commencé mon parcours professionnel qui est passé par la ferme du Buisson que certains connaissent, qui est une scène nationale qui se trouve à Marne-la-Vallée, les Ulysses, et puis aujourd'hui le 104, après avoir fait et continué de faire un certain nombre de projets, je dirais, en parallèle. Donc aujourd'hui, je suis au 104 depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Alors, vous allez voir, j'ai vraiment un problème pour me rappeler exactement des différentes temporalités. Pour moi, les projets vous ne sont pas forcément... Notes. Je peux regarder vos notes. Très bien. Ça, c'est... Ah, dis donc, mais vous avez été vraiment dans le détail, non? Heureusement, vous n'avez pas tout dit. Mais je n'avais pas l'intention de tout dire. Ah bon, tant mieux. Mais j'en replacerai. Vous. Ah d'accord, très bien. Donc voilà, donc aujourd'hui le 104, vous en avez sûrement entendu parler récemment parce qu'effectivement il y a une actualité, on va dire un peu brûlante, un peu sensationnaliste, qui est effectivement Exhibit B en ce moment au 104. Sensationnaliste parce que c'est ce qu'en a fait la presse, sur le terrain c'est un peu autre chose. Et puis le 104, c'est ce projet dont vous avez entendu parler, qui s'est ouvert il y a maintenant, c'était en 2008, un projet qui était en fait la récupération d'une ancienne friche industrielle qui était initialement les pompes funèbres. Alors les pompes funèbres, ça veut dire que c'était l'endroit où se préparait, on va dire, tout ce qui accompagne la mort, pour dire les choses tout simplement. Mais il n'y avait pas, ça n'était pas une morgue. Souvent les gens confondent, ça aurait pu être une morgue d'ailleurs, mais ça n'était pas le cas, donc il n'y avait pas de décor, mais il y avait toute une industrie. C'était l'industrie, au fond, de tout ce qui accompagne les rites funéraires. Bordeaux, je dirais, les choses se sont faites d'une manière assez... C'est assez simple. Je ne sais pas si elles se sont faites de manière naturelle, mais en tout cas, de manière assez simple. Il y a eu une sollicitation, une interpellation, comme ça, une invitation du maire de Bordeaux et de ses équipes, à la fois les équipes administratives et les équipes politiques, sur l'idée d'essayer de rénover un peu, de revoir les mécanismes de soutien à la création à Bordeaux et plus largement dans sa région. L'idée était d'essayer de mettre en place un mode d'évaluation. C'est un terme que j'ai toujours du mal à utiliser, donc je vais dire d'estimation, parce qu'on aborde des projets un peu différemment. L'idée étant pas simplement d'avoir une grille arithmétique, mais d'avoir plutôt une observation qualitative. Et donc d'essayer d'observer et de participer à la dynamique bordelaise qui existe déjà, mais de lui permettre d'accéder à des financements, d'ouvrir tout d'abord de manière très large à un plus grand nombre de projets artistiques, mais aussi d'initiatives culturelles, comme on les a intitulées dans cette commission, et d'envisager un mode d'estimation, de travail en commun, je dirais un peu, peut-être pas unique, mais en tout cas original. En tout cas, j'en connais pas vraiment beaucoup de cette manière. L'idée, notamment, d'avoir une sorte de conseil ou de commission pluridisciplinaire, dont le principe est de recevoir, au fond, des projets... Par un appel à projet, soutien à la création, à l'initiative et à l'initiative culturelle, et d'évaluer, d'estimer ces projets dans une vision qui n'est pas une vision sectorisée, pas par champ artistique,
mais plutôt de manière complètement généraliste, tout en ayant des experts. Ce qui veut dire qu'il y a autour de la table des experts qui sont tout à fait pertinents pour observer tel et tel champ, mais je dirais l'attribution finale d'une somme pour chacun des projets se fait à l'aune du vote de chacun des membres qui composent la commission et qui ne sont pas tous donc des experts du projet. Donc on présente un projet musique, il n'y a pas que l'expert musique qui évoque le projet. Évidemment, il évoque, c'est celui qui connaît le mieux ce champ-là, mais à partir de là, s'engage une conversation avec l'ensemble des experts qui, du coup, se retrouvent dans le rôle du candidat, d'une certaine manière, à comprendre la nature du projet expertisé. Cette dimension-là, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté la première année de présider cette commission, parce que je trouvais que c'était une expérience que moi j'avais peu vécue. J'ai fait les commissions DRAC et j'en ai fait un certain nombre aussi dans d'autres organismes. J'avais jamais été invité à imaginer une vraie commission pluridisciplinaire, en plus dans un espace politique et géographique que je ne connaissais pas dans le détail. Et donc c'était pour moi un double signe de confiance. Imaginer une forme qui est une forme que je ne connaissais pas, que moi j'avais jamais pratiquée, que je ne connais toujours pas ailleurs d'ailleurs, et dans un espace qui n'est pas un espace où moi j'étais particulièrement référencé et identifié. Donc je dirais que ces deux éléments-là m'ont vraiment motivé, et encore aujourd'hui je prends un grand plaisir à venir, parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime bien aller faire des choses que au final je découvre, ou moi-même je me retrouve dans la position du candide et non pas simplement de l'expert aujourd'hui un peu identifié sur un certain nombre de sujets. Et ce mouvement, cette manière de composer cette commission crée des approches au fond des projets qui ne sont pas des approches, je dirais, verticales et qui sont toujours référencées avec un seul regard. Ça oblige au fond celui qui connaît à donner son avis et à le défendre, que ce soit de manière positive ou négative. Et puis ça invite aussi les experts à s'autoriser à poser des questions dans un champ dans lequel il n'est en général, précisément quand il est expert, pas autorisé à poser des questions. Et ça donne une chose extrêmement motivante, extrêmement dynamique, qui fait qu'au final, on se retrouve tous en accord sur des projets, même quand il échappe à son champ d'expertise. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette première année. Et puis, cette nouvelle édition, on l'a repris, on l'a fait cet après-midi et ce matin, en fait, toute la journée. On a, à la demande de Fabien Robert et d'Alain Juppé et de l'équipe, accompagnée par l'équipe, la direction des affaires culturelles, on a repris les travaux en fait cette journée. Et vous imaginez bien que, vu la situation actuellement au 104, il faut vraiment que je trouve aussi ici, je dirais, une motivation intellectuelle et de sens pour être ici au moment où mon équipe, on est en train de faire les dernières représentations d'Exhibit B au 104. Quelle est la temporalité des choses que vous envisagez ? C'est projet par projet ? C'est des projets d'un an que vous essayez de... Enfin, que vous allez sélectionner ? Ou c'est des choses plus pérennes ? Comment vous envisagez les choses ? Alors, c'est des projets où, effectivement, il y a à la fois des projets qui sont des projets de production sur l'année à venir, au fond, comme toute situation de création habituelle. Et puis, c'est des projets, c'est là où on a une observation plus globale, c'est comment ces projets vont permettre à ceux qui vont en bénéficier, quand ce sont des entités artistiques, comment ça va permettre de les inscrire dans un travail de longue haleine. Et quand ce sont des projets d'initiative culturelle, c'est comment ça va aider à structurer le territoire. Comment, au-delà des moyens financiers qui vont être donnés, comment ça va venir composer une mosaïque de la diversité que très clairement la ville souhaite avoir dans les projets culturels tels qu'ils sont proposés aujourd'hui. Ça, c'est ce qui au fond oriente l'ensemble des travaux. On constate simplement une chose qu'on a constatée mathématiquement, arithmétiquement, plus exactement tout à l'heure, c'est qu'on constate que le nombre de projets dans chacun des domaines, puisqu'il nous arrive
par champ artistique, alors grand champ artistique, hein, art visuel, art de la scène, pas regarder dans le détail, et la proportion de ceux qui sont retenus sur des critères strictement artistiques, le pourcentage est à chaque fois le même. Il y a comme quelque chose là d'une dynamique qui, au fond, on voit bien qu'il y a des... Il y a des décalages entre les différents champs artistiques. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés, qui ont aujourd'hui une vraie identité dans le paysage bordelais. Il y en a d'autres qui sont en pleine émergence, qui essaient de trouver une manière de se structurer. Mais en tout cas, le pourcentage de projets qui sont aujourd'hui proposés, on retrouve dans ceux qui sont retenus un pourcentage quasi équivalent, ce qui fait que les équilibres sont d'une certaine manière maintenus. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir comment on constate aussi des endroits où il faudra sûrement pousser un peu plus loin, ce qu'on a constaté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est à la troisième session. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce qu'a accepté aussi la ville, et ce qui est assez remarquable, c'est de ne pas faire de session, d'accepter tout d'abord des propositions que cette commission pouvait faire et que j'étais chargé de relayer, notamment dans tout le processus de décision. J'ai expliqué tout à l'heure le processus pluridisciplinaire, mais il y a le fait aussi de scinder en deux temps. Jusqu'à présent, une commission, vous les connaissez à peu près toutes, c'est une fois par an, on reçoit tous les dossiers, on acte les dossiers qui sont présentés, et puis on se retrouve, au fond, 12 à 14 mois un peu plus tard. Là, ce qui a été décidé pour coller au plus près de la réalité de la création, c'est de la scinder cette commission en deux temps. C'est-à-dire que le processus, lui, est exactement le même. Simplement, on a la possibilité, si on n'était pas en mesure de déposer un dossier dans les 6 premiers mois, de pouvoir le déposer à la deuxième session. Mais aussi, pour ceux qui, lors de la première session, au final, ne remplissaient pas complètement tous les critères de création, pour des raisons à la fois de contenu, mais aussi économiques, de pouvoir présenter dans une deuxième session. Ça, c'est une chose à une échéance, je crois, de 6 mois à peu près. Hein. Ça, c'est aussi en termes d'innovation, ça reste modeste, on n'est pas en train de changer le monde, mais quand même, ces petits gestes-là, qui sont des gestes... de politique culturelle, sont des gestes fondamentaux pour être au plus près de ce qui me semble être aujourd'hui la création, à la fois dans son désir de créer, mais aussi dans sa précarité économique. Et il faut pouvoir répondre au final assez vite et pouvoir dire aux équipes, dans des délais qui sont des délais de 6 mois et non pas de 12 ou 14 mois, ce qu'il est possible de faire, les moyens qui leur sont donnés. Ça, c'est aussi l'un des éléments qui identifie et singularise cette commission. C'est grâce à votre action au 104 que vous avez mené cette réflexion sur la façon de faire naître des projets. Enfin, parlez-nous un peu de la façon dont vous avez pris le 104 en main et pour l'amener vers ce que vous souhaitez, en fait. Bon, je dirais que c'est pas que le 104, c'est parce que vous le disiez tout à l'heure, parce que je suis arrivé à une certaine maturité et que du coup j'ai acquis. Non mais on me l'avait jamais dit comme ça, donc je le reprends. Je trouve ça charmant, donc je le reprends vraiment. Et non, c'est simplement qu'effectivement ça fait quelques années que je vous l'avez compris. En gros, j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'en ai 52 aujourd'hui, donc ça fait 32 ans que je fais à peu près ce métier en ayant toujours une direction, même si j'ai commencé avec des projets, souvent des projets d'ailleurs plus alternatifs, même si aujourd'hui le 104, on dit souvent que c'est l'institution la plus alternative ou le lieu alternatif le plus institutionnel. C'est vrai que du coup, je me suis forgé une observation de la création, mais comme beaucoup de collègues. Après, et je pense que c'est l'une des motivations de Fabien Robert et du maire de Bordeaux, non pas, au fond, de me demander de venir pour reproduire des schémas existants, mais d'essayer d'inventer des choses, parce que l'une des particularités qu'on retrouve effectivement au 104, c'est d'essayer de ne pas se satisfaire des normes qui identifient à la fois le métier, le milieu et le rapport que les artistes ont avec le public et que le public a avec les artistes. Et donc, c'est d'essayer de se constituer des organisations et des process qui ont à voir avec une question qui nous est posée, qui au fond est un peu toujours la même, mais dont on voit bien qu'à un moment, il faut essayer de la résoudre d'une manière un peu différente. Donc, il y a je ne suis pas évidemment le seul à le faire. Chacun des professionnels et des bons professionnels se pose toujours cette question, qui est celle au fond d'essayer de trouver de nouveaux chemins pour répondre à ce désir de création et de créativité qui existe notoirement en France et très particulièrement avec les artistes. Et donc c'est bien comme ça qu'on a agi pour cette commission.
au 104, c'est aussi de cette manière qu'on agit. C'est vrai que on n'est pas un lieu, vous le savez, c'est 39 000 mètres carrés, en gros, c'est un lieu qui est ancré dans un quartier qui est un quartier extrêmement populaire. C'est là où il y a le plus de jeunes, le plus d'immigrés et le plus de gens modestes à Paris. Mais c'est aussi là où la transformation urbaine est la plus importante à Paris, avec bientôt le quartier qui est dans le nord de Paris, mais du coup nord-ouest, qui est donc le 17e. Mais c'est un endroit où se joue pas mal d'éléments qui sont des éléments de transformation. Le choix qui a été fait de faire de cette friche, non pas parce que le bâtiment est assez beau, et à un moment il avait été imaginé d'en faire un endroit de logement, en fait, juste au côté, au pied des tours qui se trouvent dans le 19e. Et le choix assez radical de la mairie de l'époque, hein, c'est Bertrand Delanoë et Christophe Girard qui ont souhaité geler complètement ce bâtiment d'une certaine manière pour le soustraire aux envies foncières. C'est un acte politique fort, et de faire à cet endroit-là un lieu qui, au départ, y est allé avec, au fond, peu de modestie, pour pas dire trop de prétention, devait devenir, parce qu'à Paris, il faut que tout soit le meilleur au monde. C'est le principe, il faut le savoir. C'est, quand vous commencez un projet à Paris, c'est forcément le meilleur au monde. Il n'y a pas, le truc intermédiaire, c'est le meilleur au monde. Et donc forcément, ce lieu a ouvert avec cette ambition qui était le seul lieu au monde de pour la création artistique, tout en disant que ça devait ressembler un peu à PS One. Si je fais un petit sondage ici, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est PS One ? À New York, combien de personnes allez, levez la main, ça, je m'amuse toujours à ce petit sondage. Formidable. Donc vous êtes 10, quoi, en gros, sur une centaine. Voilà. Donc imaginez ramener ça à l'échelle des élus, de savoir, au moment où ils présentaient ce projet, de se dire, on va faire un PS1 unique au monde à Paris, quand on sait ce qui est devenu PS1, en plus, ces dernières années. Voilà, donc il y avait cette idée-là, cette ambition qui est toujours, moi, que je trouve estimable. Il faut toujours être extrêmement ambitieux, mais il faut aussi être réaliste. Et là, c'était un peu plus compliqué. Pour ceux qui ne font pas partie des 10 Happy Few, rappelez ce qu'est PS1. PS1, ça a été un lieu extrêmement important de résidence des artistes. En fait, ça ressemble à un grand immeuble où des artistes produisaient. Et puis à un moment, ils ont ouvert les portes de leurs ateliers, et le public pouvait circuler. Il y avait là une vie qui a généré une vie de quartier extrêmement importante, et qui a généré un certain nombre d'artistes extrêmement important, et qui a c'était cette idée que si on fait participer la population au process des artistes, ils comprennent, le public comprend mieux la création, et du coup est plus à même de soutenir les projets réalisés. Bon, ça, c'est une utopie absolument formidable, mais qui s'était construite dans une Amérique un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, et qui à l'époque a dû marcher à peu près pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est l'annexe, en fait, de c'est l'annexe du MoMA, je crois, et c'est devenu un lieu, au final, intéressant, mais c'est devenu un musée qui ressemble à un bâtiment de logement, en fait. Mais dans le process lui-même, à l'intérieur, il n'y a plus tout ce qu'on laissait entendre derrière cette liberté qui allait être donnée au 104, à la fois au public, mais aussi aux artistes. Dans cette idée, au 104... il y a un nombre d'espaces considérable, et il y avait cette idée un peu segmentée qu'à un endroit, l'artiste réfléchissait, à un autre endroit, il essayait d'associer les objets, et à l'autre endroit, il les montrait au public. Mais la partie où il montrait au public était une partie qui arrivait fort tard et pas obligée. Donc en fait, c'était des ateliers, et le public pouvait à tout moment rentrer et voir l'artiste au travail. Vous imaginez aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir des artistes dans la salle, imaginez le public, ce public-là, mais tous les publics, arriver dans les ateliers, ouvrir les portes, vous dire bonjour monsieur, sachant que là-dedans, il y avait évidemment des personnalités assez différentes, avec des objets extrêmement différents. Donc cette utopie-là, qui n'existait déjà plus dans l'endroit qui était pris en référence, si vous voulez, le choc a été un peu brutal, on va dire. Tout d'abord pour le public, qui n'a pas compris qu'il fallait qu'il joue ce rôle-là dans la mise en scène qui avait été imaginée. Et puis les artistes qui avaient y compris signé cette chose-là ne se rendaient pas compte de ce que ça pouvait vouloir dire. Donc en gros, c'était à peu près 40 résidents qui avaient un lieu, et ils se sont rendus compte très vite, hein, au bout d'un an, que ça ne marchait pas. Il y avait personne. En fait, le public ne venait pas. Même le public parisien, plus habitué à ce genre comme ça de propositions...
soi-disant ouverte ne venait pas non plus, c'est-à-dire l'autre partie de Paris, puisque ce quartier était assez mal famé jusqu'à il y a encore 5-6 ans. Donc tout ça a donné au final beaucoup de malentendus. Et comment vous avez relancé ça ? Simplement en faisant ce qu'on fait à peu près tous, sauf que j'ai essayé de mélanger des choses qu'on mélange rarement. C'est-à-dire, tout d'abord, cette idée qu'on ne fait pas de proposition au public qui ne soit une proposition artistique exigeante. Exigeante, ça veut dire des artistes qu'on pourrait retrouver dans d'autres endroits très labellisés, identifiés comme étant ce qu'on appelle l'excellence artistique. Il n'y a pas à y avoir de différence quand on est dans un quartier populaire à présenter aussi bien Brett Bellet que Castellucci, que Claude Régis, et en même temps le Cirque Trottola ou Johan Bourgeois. Donc vous voyez dans les noms, en tout cas pour ceux qui connaissent, on est dans le haut du panier. Et que la différence ne doit pas porter dans les choix artistiques, la différence doit porter dans la manière dont on articule les choix artistiques à la rencontre avec le public, en ayant comme outil principal un bâtiment qui se trouve dans un quartier. Et donc ça veut dire que le travail a surtout consisté à... C'est une phrase qui n'est pas de moi, j'ai peut-être un peu transformé, mais qui je crois, prend sa source dans un ouvrage de Pierre Rosenvallon, qui dit « Si toute chose n'est pas égale, ou à peu près, hein, si toute chose n'est pas égale, toute chose est recevable. » Cette première pétition de principe est extrêmement importante parce que ça voulait dire que du coup les personnes, les artistes et les projets que l'on recevait n'étaient pas que des projets professionnels qui étaient issus du réseau. C'était donc des projets qui venaient spontanément. Alors évidemment, il y avait déjà des gens qui avaient été sollicités dès que je suis arrivé. Il y a un petit mouvement qui s'est quand même amorcé. Et on avait du coup la question de la discipline ou du genre ou de la proposition artistique, c'est très rapidement, très spontanément ouverte. On est passé, on va dire, du théâtre avec, ou un peu de danse, à tout de suite des projets, on va dire, d'architecture, de photos, évidemment de spectacles vivants et d'art contemporain, de manière extrêmement spontanée. Mais là-dedans, les personnes qui venaient à notre rencontre, par des process qu'on avait très vite mis en place, ne venaient pas avec un statut égal. Pour autant, on les recevait. Ça voulait dire qu'on pouvait aussi bien être un amateur du quartier qui faisait du théâtre que l'administratrice de Roméo Castellucci ou Roméo lui-même pour faire la création suivante. Cette pétition de principe, il fallait que les gens l'éprouvent vraiment, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils le sachent, il fallait qu'ils voient quelle était la liberté qui était donnée dans un lieu qui était considéré comme une institution, mais qui ne fonctionnait pas visiblement comme une institution. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de dire « voilà mon concept, voilà ma pétition de principe », il y en avait plusieurs, qu'on a appelés nous plus tard des credos. Ces credos composaient un certain nombre de valeurs. Les valeurs, c'était des valeurs que l'on partage, je pense, à peu près tous. Des valeurs humanistes, des valeurs d'éducation, des valeurs de partage esthétique. Et qu'à partir de ces éléments-là, on les a pas énoncés pour dire aux gens, au fond, vous allez voir, on va vous faire la démonstration d'eux. Donc ça, c'est un autre créneau, c'est de dire on va pas vous faire la démonstration d'eux, vous allez faire l'expérience d'eux avec nous. C'est-à-dire que le principe qui consiste à faire des slogans, et il semblerait que je sois assez fort pour les slogans, donc, mais de faire des slogans et après à passer son temps à expliquer le slogan, ça devenait un peu compliqué. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça que j'envisage les choses. C'est plutôt d'avoir des slogans qui sont le résultat d'un concept, et d'un concept dont on ne va pas parler, ou en tout cas très peu dans l'équipe, et on va mettre à l'épreuve, sur le terrain, ce qui nous semble être possible de transformer. Et des exemples très précis sur les proximités, les associations, comme par exemple, l'une des particularités au 104, c'est que c'est le seul lieu de cette taille, à Paris, où vous pouvez rentrer sans être fouillé à l'entrée, sans qu'on vous demande votre identité. Quand vous allez à Beaubourg, quand vous allez au musée d'art moderne, quand vous allez au Louvre, vous avez un portail électronique qui vous scanne, vous avez quelqu'un qui vous demande de déposer vos affaires, que ce soit le plan Vigipirate ou pas. C'est la règle. Au 104, ça n'existe pas. Les gens peuvent rentrer. Ça n'était pas le cas. Quand je suis arrivé, il y avait effectivement un contrôle, puisque vous êtes tenu de le faire. Non. Donc ce premier signe qui était de dire, au final, j'ai déjà cette habitude et cette pratique, et je ne suis pas gêné par cette pratique, puisque, en gros,
on n'y fait même plus attention à ça. Donc on y va et on rentre. Cette chose-là, dans ce quartier, ça n'a pas tout à fait la même valeur que quand on le fait à Beaubourg. Donc forcément, ce premier signe, qui était un signe tangible que quelque chose se passait, a permis un certain nombre de mouvements vers l'intérieur. C'est-à-dire, on venait dans cet espace voir ce qui s'y passait. Ce qui s'y passait, c'est les artistes qui étaient au travail, évidemment, mais on ne pouvait pas rentrer dans tous les espaces pour aller voir les artistes au travail, mais qu'on pouvait, à un moment, dans tout le processus, les voir dans la fin du processus, c'est-à-dire dans la réalisation. Donc on va jusqu'au bout du parcours, on présente les œuvres quand elles sont terminées, mais surtout, en attendant d'aller voir ces artistes qui sont au travail et qu'on n'aperçoit pas forcément et qu'on apercevra à un moment, on peut soi-même pratiquer dans le lieu. Ce qu'on a appelé, nous, le concept qu'on a développé, qui s'appelle les pratiques spontanées. En gros, au lieu de se dire la ville est segmentée de telle manière que les fonctions sont complètement déterminées, c'est le travail des urbanistes, notamment, nous, on a considéré que le 104 devait être une ville en soi. Donc la question qui est celle de la place publique, de se dire la place publique est dehors, il y a un trottoir qui est franchi, puis après, on a comme ça des seuils qui, au final, sont autant d'éléments dans une ville qui fluidifient normalement le passage d'un espace à un autre, mais qui, dans un établissement culturel, en fait, sont autant de freins psychologiques qui font que, du coup, on rentre très vite dans les représentations et qui fait que, du coup, on va plus ou moins loin dans un espace. Et donc, on a commencé par essayer d'enlever ces repères, et ce qui s'est passé, c'est que le public est rentré. Le public est rentré, il savait qu'il y avait des propositions, et puis il a commencé à... On a mis en place un certain nombre de signes. Alors pour moi, très ostentatoires, mais qui n'étaient pas visibles, semble-t-il, pour précisément les professionnels, alors que le public, lui, l'a tout de suite repéré. On a installé du mobilier dans l'espace public. Donc ça peut, à certains moments, représenter 5000 mètres carrés de libre, puisque c'est sur 3 niveaux. On a installé des transats. On a installé des bancs publics à l'ancienne, mais non fixés au sol. L'ensemble du mobilier qui est constitué dans cet espace urbain n'est absolument pas déterminé par celui qui représente l'ordre, en l'occurrence moi, ou la norme. Il y a à disposition un type de mobilier qui renvoie à une posture physique qui, de fait, déjà nous fait douter de savoir dans quel espace on se trouve. Puisque les transats, ce n'est pas tout à fait le référentiel sur une place publique, c'est encore moins le mobilier de référence pour aller au spectacle, et des bancs publics qu'on peut déplacer, c'est pas tellement comme ça que ça se passe dans l'espace public. Et donc à partir du moment où on a commencé à mettre ce mobilier, il a commencé à se composer une vie, prise en charge au fond par les familles, prise en charge par les jeunes, énormément de jeunes qui ont commencé à se constituer au fond des mini-scènes eux-mêmes, dans un espace immense. Ils ont commencé à se constituer entre eux, à s'organiser, qui pour manger ici une pizza, l'autre pour faire un pique-nique, et un autre endroit faire du hip-hop, du jonglage, du dessin. Et se sont constituées comme ça des unités que nous ne connaissions pas, puisque par définition, les gens rentraient, et chaque jour, on les voyait s'installer, et composer, recomposer à chaque fois l'espace, sans aucune négociation avec nous, et dans une négociation entre eux, y compris des bandes qui s'affrontaient de quartier à quartier, puisqu'ils étaient dans un espace qui était un espace clairement identifié comme un espace artistique. Et ça a donné des choses très étonnantes. C'est-à-dire alors que dans les autres éléments, je vous donne que ces éléments-là, il y en a plein d'autres, hein, dans le détail et dans les signes très précis, le 104, il n'y a aucun signe d'interdiction au 104. Aucun. C'est-à-dire qu'il n'est pas indiqué interdit de faire ceci, interdit de faire cela. Il y a un règlement intérieur qui, lui, se trouve à un endroit assez caché, au final, et qui n'est pas, en tout cas, mis en exergue. On s'en sert uniquement quand, à un moment, il y a des choses qui vont un peu trop loin. Par exemple, quelqu'un qui décide de passer en vélo au milieu de la halle, ça fait 130 mètres. Hein. Donc on peut traverser en vélo et qui, du coup, risque de renverser les familles. Et là, quand quelqu'un rechigne à descendre de vélo, on lui dit « mais c'est dans le règlement intérieur ». Mais il n'y a pas, tout au long du parcours, il n'y a pas d'interdiction. Ce qui, effectivement, oblige chacun à inventer un protocole de vie en commun qui est lié précisément à la pratique dont ils viennent faire usage dans le lieu. Et chacun est tour à tour spectateur et acteur, et spectateur, au fond, de ceux qui sont là amateurs et qui investissent l'espace, mais ils peuvent être aussi en attente de ça avant d'aller dans une salle, une exposition, ou au restaurant, au café, dans tout ce qui est proposé en termes de service. Cette expérience, plutôt que cette démonstration d'un concept, a donné effectivement ce qu'est aujourd'hui le 104. Et sur cette partie-là,
l'une des choses, je dirais presque comme une sorte de conclusion, c'est que le paradoxe de tout ça, c'est que, donc là, on est sur Exhibit B, et qu'effectivement, le préfet me dit, ce qu'on savait, ces journalistes aussi qui m'ont posé la question, il va falloir contrôler à l'entrée. Je lui dis, écoutez, monsieur le préfet, il n'y a pas de problème, on va contrôler. Là, on n'a pas le choix, parce qu'on est obligé de protéger les équipes pour que ça puisse se dérouler. Je lui dis, mais au final, on va rentrer dans le droit commun. Tous les établissements le font. Je lui dis, mais comment ça, tous les établissements? Je dis, oui, quand vous avez à Beaubourg, tout ça, vous avez mis en place. Elle me dit, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, tout le monde a tellement perdu l'habitude au 104 d'être contrôlé que du coup, ça apparaît anormal, alors que c'est la norme. Et c'est d'autant plus. Ça a été d'autant plus éloquent pour moi d'écouter ça de la part du préfet qu'il sait très bien qu'en plus le 104 est le seul établissement qui est en zone de sécurité prioritaire de cette taille. Ce qu'évidemment les gens oublient, parce que tout le monde oublie, parce que personne ne se pose cette question-là, ne se la pose plus. Et ça, pareil, ça a une norme. Donc normalement, on est obligé de contrôler. Donc normalement, je suis... voilà. Et le choix a été fait sur ce travail dont on parlait tout à l'heure sur les normes et sur les représentations. Pour arriver à ça, il est clair qu'on est toujours à la limite... d'un point de vue juridique, on est toujours à la limite de ce que nous impose la loi. Donc, qui est celle du contrôle pour que la responsabilité soit effectivement répartie et que la responsabilité soit essentiellement sur la structure juridique, que je ne suis pas le seul à représenter. Mais en prenant cette décision, c'est effectivement une responsabilité pénale que je prends moi, en mon nom propre. Alors évidemment, on va dire, c'est pas pour faire la figure du héros, c'est qu'à un moment, si on veut bouger les choses, il faut aller jusque-là. Et en ce moment... Évidemment, à la fois avec le préfet et avec la maire de Paris, on se pose la question d'effectivement cette responsabilité-là, parce qu'elle est juste un peu excessive quand même. Alors, est-ce que vous souhaitez poser des questions sur les projets bordelais? Bonjour, José Manuel Gonzalves, Guy Lenoir, MC2R. Moi, j'ai deux questions. L'une, c'est sur votre lieu 104, que j'admire beaucoup. J'ai des questions d'un point de vue gestion. L'argent, d'où il vient, quel est votre budget, l'argent public et l'argent privé, les rentrées. Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question qui a lieu, qui a affaire au jury, oui. Moi, ce qui m'a manqué chaque fois, c'est un oral qui confronterait votre positionnement avec le porteur du projet. Un oral de la commission. Une relation directe à un moment donné pour que le porteur du projet puisse parler au jury. Que ça passe pas forcément par un dossier tel que jusqu'à ce jour on procède. Vous savez, vous avez raison. Hein. De toute façon, les choses sont toujours. Mais tout d'abord, il y a quand même un travail qui est fait en continu par les équipes de la ville de Bordeaux. Il y a à la fois un maire, je crois, qui a montré qu'il était assez adjoint à la culture, qui montre qu'il est assez actif quand effectivement vous souhaitez le rencontrer. Il y a une équipe administrative, et je dois le dire sans. Enfin, les gens qui me connaissent, je tombe assez rarement dans la flagornerie. Le travail qui est mené par l'équipe sur la rencontre avec les porteurs de projets, surtout quand il y a des doutes. Alors, il y a des moments, ils vous connaissent quand même, ils sont tout le temps sur le terrain. Il y a quand même des informations qui sont à chaque fois complétées précisément par les personnes qui sont là. Moi, après, pour rencontrer les uns et les autres, c'est matériellement impossible. Et après, je ne suis pas sûr sur cette question des auditions publiques. On a toujours l'impression que ça ajoute de l'égalité. Et en fait, pour l'avoir testé un peu ailleurs, il y a des gens, franchement, à l'oral, c'est une cata, quoi. C'est vraiment une cata. C'est hyper dur, surtout pour les jeunes équipes. Puis j'imagine déjà certaines personnalités, je pense que c'est au contraire handicapé. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est que ce travail, il n'arrive pas non plus comme ça. Ce n'est pas des gens qui envoient des dossiers et puis c'est rien passé entre. Hein. C'est qu'il y a quand même une équipe qui travaille. Et moi, à chaque fois que j'ai des questions sur telle ou telle équipe et qu'un membre du jury a des questions, et il y en a tout le temps. Il n'y a pas un projet où à un moment, il n'y a pas une question qui surgit, simplement parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas expert du projet en question. Il y a toujours une réponse. Et quand il n'y a pas de réponse... J'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, eh bien, on se dit, tiens, c'est intéressant, il n'y a pas suffisamment d'éléments, on ne connaît pas assez, c'est très rare, hein, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, je dirais peut-être entre 6 et 10 sur l'ensemble des sessions. Et ceux-là, on ne dit pas non, ce n'est pas la peine de représenter de projet, on dit simplement, on ne vous connaît pas assez, on ne sait pas qui vous êtes, dites-nous à quel endroit vous travaillez pour que les équipes puissent aller vous voir et présenter en deuxième session. C'est sûrement pas encore idéal, ça. Mais il y a quand même des moyens de pouvoir, à mon avis, établir un dialogue. Vous parliez d'appels d'offres. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Et où trouver ces appels d'offres? Et deuxièmement, la commission est composée de jurys, mais de membres du jury. Et qui sont ces personnes, exactement, institutionnelles ou autres?
et savoir si c'est une commission qui est renouvelée. Ah pardon, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Vous savez, avec les lumières, là, c'est un peu compliqué. D'accord. Bah, peut-être, parce que moi, je n'ai pas la liste là sous les yeux, je les connais tous, mes petits camarades, et je vais en oublier, et ce serait... Pas avoir forcément les noms, mais leur statut. Peut-être, Fabien... Et savoir si c'est renouvelé. Tu peux peut-être... Il y a un équilibre subtil, il y a une thématique de fond, et quelqu'un qui réfléchit sur des attributions de subventions. Donc on voit que le fond vient, mais on est très vite rattrapé par quelqu'un qui veut savoir un peu à quelle sauce il va être mangé, entre guillemets, ce qui est tout à fait légitime. Et moi, je suis content que José Manuel puisse dire aussi à vous, porteurs de projets, en partie, hein, qui déposez des dossiers, comment ça marche derrière. Je précise qu'il n'y a pas beaucoup de villes où les élus ont fait le choix de se dessaisir de la décision d'une certaine manière, en faisant appel à une commission. On pourrait dire, on fait en direct, on passe par un comité, et que je veux remercier d'ailleurs à cette occasion, ça me donne l'occasion de leur dire merci en donnant leur nom, Didier Arnaudet, Francine Faure, Maria-Agnès Rodriguez, Patrick Duval, Catherine Marnas, Brigitte Proussel, Constance Rubini, Sylvie Violant, Thierry Fouquet, Jean-Luc Portelli, José Manuel Gonçalves. Voilà les gens qui sont présents dans ce jury. C'était public, hein, ça a été donné la première fois qu'on en a parlé. Et c'est ce qui permet d'attribuer ces budgets. C'est tous les 6 mois sur le site internet de la ville, un appel à projet. C'est public, c'est simple comme bonjour. Il n'y a rien de secret. On peut candidater tous les 6 mois. Et à chaque fois, on communique dessus. Il y a des gens qui ne sont pas au courant, comme toujours. Mais maintenant, les choses vont rentrer dans l'ordre, puisqu'on continue en 2015 par ce même dispositif. Oui, bonjour. Par rapport au débat de fond, justement, et en lien avec ce que vous avez raconté du 104, que moi, personnellement, je ne connaissais pas, et sur Exhibit B, moi, ça m'évoque une question par rapport au public et ce que vous avez dit, cette phrase que vous détestez, des gens qui vous disent que ce n'est pas pour leur public. Moi, c'est une question que je me pose beaucoup sur savoir comment s'adresser à de nouveaux publics. Et je voudrais savoir, je trouve que l'idée de créer un lieu qui soit plus accessible pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans un lieu culturel, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, un lieu par sa géographie et par son habillage et le fait d'enlever ce que les lieux culturels peuvent avoir d'intimidant parfois, je trouve ça très intéressant, mais je voudrais savoir comment on peut savoir les retours et tous ces gens qui rentrent dans ce lieu, quand ils vont voir les spectacles que vous programmez, comment ils les perçoivent? Est-ce qu'il y a une vraie évolution par rapport à ça? Voilà, c'est la question que je me pose. Alors encore une fois, moi je parle de l'expérience du 104, mais cette expérience, elle s'appuie aussi sur des expériences qui sont aussi en cours à certains endroits. C'est pas le seul endroit qui agit de la sorte. C'est objectivement assez spectaculaire quand vous y arrivez. C'est, vous vous demandez d'où sortent tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font là. Enfin, vous les voyez tous en train de produire quelque chose et vous vous demandez comment tout ça est organisé. Je me rappelle d'ailleurs que l'adjoint à la culture, la première fois qu'il est venu, il ne m'a pas dit sa sensation, mais la deuxième fois, quand il est revenu, il me dit « Écoute, la première fois, je pensais que tu étais vraiment très fort pour arriver à faire venir du monde, sachant que j'allais arriver, mais la deuxième, je commence à douter du fait que tout ça est préparé. » Et c'est cette question qui est celle des différents espaces et comment chacun travaille, ce n'est pas en créant des nouveaux lieux et en allant les mettre dans les quartiers populaires. Ça n'a rien à voir. Ce travail-là, je le mène depuis des années. J'ai bien posé la question qui est celle, au final, l'attention que l'on porte à choisir des projets artistiques, je pense qu'il y a d'autres expériences, hein, y compris ici à Bordeaux. Il y a des manières d'articuler ces contenus dans des espaces qui sont existants et qui ont déjà des normes, et de les articuler d'une manière différente. Mais ça, c'est le travail de chacun. Tout d'abord du citoyen qui peut poser la question, qui se dit « Tiens, moi, je franchis la porte comme ça, mais si la porte, on l'a laissée ouverte entre 14h et 18h, est-ce que les gens ne pourraient pas rentrer plus facilement et comment ils rentreraient ?» C'est des choses... Alors c'est basique à dire comme ça, et j'exagère un peu le propos, mais c'est comment, dans nos propres pratiques, nous, quand on est d'un côté ou de l'autre, si je puis dire, du seuil, comment on réinterroge notre propre pratique. C'est pas... là où il y a toutes ces pratiques spontanées, c'était une salle d'attente. Cette salle d'attente, je trouvais un peu dommage que ce soit qu'une salle d'attente. Se dire qu'à un moment, c'est une salle de destination... C'est un endroit qui peut servir aussi à d'autres choses. C'était déjà, du coup, problématiser ce qu'est cet espace. On a tous l'habitude d'attribuer des fonctions très rapidement à des espaces, à des activités, parce que la première chose que l'on fait, c'est de pouvoir se rassurer. C'est-à-dire que soi-même, on le fait tous. C'est comme ça, c'est notre comportement. Parce qu'on a tous besoin de faire la démonstration aux autres pour avoir en retour le fait que l'on maîtrise bien le sujet pour lequel on a été employé.
C'est normal, on fonctionne tous comme ça. La question, elle est de savoir à un moment, est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre des process qui vont légèrement nous déstabiliser, voire peut-être déplacer notre expertise, nous mettre à égalité avec des gens qui ne le sont pas. Même si moi, je garde la prérogative en tant qu'expert, et c'est nécessaire, c'est quand même moi qui vais prendre la décision finale. Mais comment je gagne dans ce ballon-là, dans cet espace-là, à observer différemment l'usage, la fonction de quelque chose. Simplement parce que je me rends compte que quelqu'un qui arrive dans une salle de spectacle, avant d'arriver, on se rend compte que les gens, ils arrivent 10 minutes avant. Est-ce que si on ouvre avant, est-ce que les gens vont arriver avant? Est-ce que vraiment ils vont simplement venir manger ou attendre? Est-ce que si on met les tables d'une manière différente? Toutes ces choses-là, elles sont déjà à l'œuvre dans pas mal d'endroits. Simplement là, on est allé beaucoup plus loin dans la question des usages et dans la défonctionnalisation, dans la manière dont on a enlevé les statuts a priori des choses. Les choses, je crois que c'est Pessoa ou Borges qui dit ça, je fais assez rarement des citations pour éviter de faire le savant de service, que je ne suis pas, c'est que les choses, c'est parce qu'elles existent qu'on leur donne un nom et pas l'inverse. Et ça, en fait, moi, je travaille qu'avec des choses comme ça. Quand je vous parlais de credo, c'est toujours, quand je disais tout à l'heure qu'il faut faire l'expérience avant de faire la démonstration, est-ce que quand on fait une programmation pour montrer qu'on est super bon programmateur et que forcément, on est meilleur parce qu'on a les meilleurs artistes, ou est-ce qu'on amène les gens dans une situation que c'est eux qui vont dire que la manière dont ils ont abordé cette programmation, elle leur a semblé accessible, alors qu'au final, la programmation est la même, mais que c'est la manière d'accéder à la programmation qui a été accessible. C'est ces chemins-là, en fait, qu'il est nécessaire de réinterroger systématiquement. Et le problème, c'est que souvent, ça n'est pas spectaculaire. Ça n'est pas spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, c'est tout d'abord la place de l'artiste, qui est nécessaire, parce qu'il faut quand même que le public, il ne vient pas simplement pour un usage, il vient un moment parce qu'il a envie de vivre une expérience esthétique. C'est tout ce qui va se passer avant qui n'est pas spectaculaire, qui n'est pas très valorisant pour les uns et les autres, mais qui aujourd'hui me semble nécessaire si on veut qu'il y ait d'autres publics. Et puis la question dans un lieu, par exemple, on s'est posé la question, est-ce qu'au 104, les personnes qui viennent là ne sont que des personnes qui vont aller vers le spectacle qu'on aura à proposer, vers l'exposition qu'on aura à proposer? Est-ce que les gens ne peuvent pas venir là? D'où vous le savez, le second du 104, c'est pas vous êtes ici, c'est ici, virgule, vous êtes. Cette chose-là qui était celle de je suis, à partir du moment où je suis là, en tant que tel, je peux inventer un usage et en tant que tel, je peux produire une activité, ce qui se passe, c'est-à-dire ce sont des gens qui auto-activent le lieu, c'est pas un sas pour aller vers un spectacle ou une exposition qui laissera entendre qu'on aurait réussi notre travail au simple fait qu'il était dans la rue et maintenant il est au spectacle et c'est parce que je lui ai fait faire toutes les étapes que j'ai réussi. La seule réussite déjà, c'est qu'il est là, c'est qu'on est ensemble et qu'on est dans un espace qui est un espace artistique, un espace esthétique, qui essaie, grâce à l'art, de nouer dans la ville d'autres relations que celles parfois simplement de la consommation ou celles du rapport de force. On peut être ensemble à un endroit précis qui du coup est à la fois concret et symbolique, qui fait que du coup on peut avoir d'autres usages de la ville grâce à la présence de l'art. C'est ça la question qui est posée. Je ne sais pas si je suis clair, mais... D'autres questions? Oui, bonsoir, je suis Séverine Atchenik, je suis administratrice d'MC2A. Je me permets d'être du coup un peu scolaire, parce que je relis un petit peu la thématique de ce soir qui était art dans la cité, responsabilité des acteurs, une nécessité aujourd'hui. Par votre expérience, à la fois anciennement à l'AFA, au MAE, aujourd'hui en tant que directeur passé de plusieurs sites et aujourd'hui du 104, qui fait partie de la commission de la création des appels à projets de Bordeaux. Du coup, c'est une chance, je trouve, de pouvoir analyser autant de projets qui vous sont soumis. Qu'est-ce que vous pensez des acteurs bordelais? Est-ce que vous trouvez que leur implication est intelligente? Et comme Bordeaux aime beaucoup Paris, est-ce que vous pensez qu'un jour, beaucoup de créateurs bordelais pourront avoir la chance peut-être d'être au 104 ou pouvoir passer par Paris ou à l'international? Vous avez raison de poser la question.
je ne vais pas vous en vouloir. Non, j'essaye de faire les choses. Évidemment, tout ça est mêlé. C'est la même personne. Évidemment que il y a des projets que j'observe et il y a certains d'ailleurs qui sont déjà rentrés en contact avec le 104 et qui sont des projets qui voilà, on est en discussion. Moi, je choisis le projet après le processus de visibilité à Paris. Vous savez combien c'est un endroit qui peut être un endroit de révélation, mais qui peut être aussi un endroit où on capitule. Et donc, il faut y aller avec beaucoup de précautions, vous le savez. C'est un endroit d'essai aussi, le 104. Donc, on le fait. Là, l'idée pour moi, quand je suis ici, c'est tout d'abord que je trouve que vous êtes sur un territoire qui est un territoire qui est riche. Donc tout d'abord, c'est de voir comment, parce qu'en même temps que je suis à Paris, vous le savez, j'ai fait un parcours en région et puis un parcours en banlieue parisienne. Hein, en fait, d'une certaine manière, c'est la première banlieue de Paris, là où je suis aussi. Donc je suis toujours dans ces franges-là et je me suis battu pour que tout d'abord, et c'était ça l'erreur de mes prédécesseurs, c'est que tout d'abord, il faut que ça existe là. Là où ça vit, en fait. Donc, il faut que ça existe ici. Et moi, je suis venu pour ça, tout d'abord. Et c'est ce qui fait que je vais dans d'autres endroits. La programmation, au final, souvent, quand je la fais en allant voir, en France, à l'étranger, un certain nombre de projets. Enfin, vous le savez, il y a un festival, notamment, qui s'appelle Impatience, qui est un festival de la jeune création théâtrale, avec des lauréats qui, à chaque fois, ont un parcours absolument formidable. Le plus célèbre, le dernier, c'est Thomas Joly, par exemple. Et là, c'est totalement ouvert aux régions. Mais ça n'est pas possible si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à un endroit, les gens pensent tout de suite aller à Paris. C'est pas jouable tout d'abord parce que c'est un peu un coupe-gorge par moment. Et je trouve vraiment qu'il faut... Moi, je suis ici parce que j'ai un attachement aux personnes qui m'ont invité, j'ai un attachement aux projets qui sont là, j'apprends à connaître cette région, je l'ai traversée pendant très longtemps, pendant beaucoup d'années, je m'y arrêtais très peu, mais il y a comme ça un truc, et au fur et à mesure que je viens ici, alors souvent je fais des allers-retours, mais quand je suis ici, tout le monde sait que quand je suis dans un sujet, j'y suis avec intensité, pas besoin d'y passer beaucoup de temps, et là j'y suis intensément, je suis là ce soir pour aller voir aussi un spectacle au TNBA, qui d'ailleurs est passé par la commission, c'est que j'ai envie de voir des cités où l'art vit, et il me semble qu'il se passe ici à Bordeaux et dans sa métropole, des choses qui sont, alors pour certaines, plus avancées que d'autres, des champs. On voit bien qu'il y a des endroits où il faut que ça pousse un peu. Et c'est le rôle de cette commission. Et moi, j'ai l'impression, enfin, je ne le vois pas avec simplement le fait de me dire Paris. Quand je suis ici, d'une certaine manière, et sans démagogie, je suis Bordeaux, quoi. Je ne suis pas bordelais, je ne vais pas vous faire le truc, vous voyez, le genre de slogan un peu... Mais quand je suis là, j'observe et j'essaye de me dire... Comment on peut participer à ce qu'est déjà aujourd'hui cette métropole et cette dynamique artistique et culturelle, et comment on l'intensifie pour qu'au fond, il y ait de plus en plus de Parisiens qui viennent déjà voir ce qui se passe ici en matière de création. Dans peu de temps, vous allez avoir les accès encore plus facilités, parce que c'est ça l'une des... Il faut qu'il y ait tout d'abord de la création, et puis il faut qu'il y ait des accès. C'est valable au quotidien, c'est valable aussi pour la programmation, et encore plus pour les professionnels qui circulent comme moi et qui prennent très vite des transports pour pouvoir aller voir la création où qu'elle soit. Il faut qu'elle existe. Et au final, contrairement à ce que peut-être on laisse à penser, c'est que vous le savez, 80% de la création qui arrive à Paris, elle vient d'ailleurs. Il faut qu'elle existe ailleurs. Et c'est ce à quoi j'essaie de contribuer avec mes petits camarades de la commission. Bonsoir, je suis Framboise Timonier. On me connaît pour être la déléguée régionale du syndicat national des professionnels du théâtre et de l'activité culturelle sur la région Aquitaine. Et je voulais savoir, l'art est un travail, quelle est la part accordée à la masse salariale, à la rémunération en droit d'auteur dans le cadre des projets que la commission défend, s'il y a un retour par rapport à la condition sociale des artistes et des professionnels qui accompagnent les artistes. Car le mouvement social continue, les difficultés sociales continuent, et nous sommes quand même un peu en première ligne, que l'on soit permanent ou intermittent, ou salarié intermittent. Évidemment que l'on regarde, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout le rapport à l'économique. C'est aussi pour ça que notre responsabilité, c'est de veiller à ne pas lancer aussi des projets dont on sait qu'ils n'auront pas de viabilité parce qu'il n'y a pas de relais. Donc dans les différents critères, il y a le fait que les projets, quand il y a une demande de production, c'est que derrière, il y ait une structure au sens large.
qui va pouvoir accueillir ce projet, parce qu'autrement, vous pouvez en lancer de partout des projets. Donc notre responsabilité, elle est essentiellement là. Et donc, il y a une économie du projet. Le fait de veiller à ce que, effectivement, ce soit des professionnels qui ont des statuts, c'est aussi l'une des responsabilités, évidemment, de cette... aussi pour la professionnalisation. C'est pas simplement que les professionnels. Il y a certains dont on voit qu'ils sont en voie de professionnalisation. Après, je croyais que vous me demandiez les sommes, et ça, je les ai pas du tout, on les regarde pas. Par contre, projet par projet, on a identifié de manière extrêmement précise la part, effectivement, qui contribue à la rémunération, hein, au sens large, je parle pas des statuts, et ce qui contribue, je dirais, à l'investissement, à l'achat de telle ou telle chose. Très clairement, là, les moyens sont mis pour que les gens puissent travailler à faire leur projet. C'est une question qui sera autant à vous, que, enfin pas tellement à vous, mais à monsieur l'élu à la culture, Fabien Robert. C'est la disproportion apparente qui existe entre cette assiette de 500 000 euros qui est dispatchée entre 90 et 100 projets, vous voyez la moyenne, hein, le résultat, et puis certains, alors c'est pas à vous de répondre, hein, c'est au maire, hein, sur... la répartition budgétaire de la culture. Dans la presse avant-hier, la ville s'engage sur 300 000 euros sur le prochain Novare. Bon, votre assiette est de 500 000. Pour un mois d'action culturelle, artistique dans Bordeaux, 300 000. Pour donc X projets qui vont se dérouler toute l'année, parce qu'en général, les projets artistiques, c'est sur une année complète. Là, je trouve qu'il y a une disproportion. Alors, si peut-être M. Robert peut répondre à ça, ça éclairerait ma lanterne. Comme le spectacle au TNBA est à 20h, ça va être aussi peut-être l'occasion de conclure. On laissera peut-être José Manuel dire un dernier mot pour conclure cette première rencontre. La création, d'abord, l'esprit de ces rencontres, évidemment, c'est pas d'avoir des débats sur la politique culturelle de la ville, c'est de cheminer ensemble, d'avoir des réflexions et d'en tirer des conclusions et des actions. Moi, je suis prêt à répondre à toutes ces questions-là, publiquement, dans mon bureau, en tête-à-tête, il n'y a pas de problème. La création, c'est pas 500 000 euros. Je m'attendais un peu à la question, on l'a fait évaluer, parce qu'il suffit de regarder aussi dans chaque structure, dans chaque lieu, dans les établissements culturels qui produisent aussi, en soutenant des acteurs, la création à Bordeaux, on est plus près de 10 millions d'euros, quand on prend une part de tout ce qui est fait partout consacré à la création. Ces 500 000 euros-là, il faut les mettre au regard des 150 000 euros qu'il y avait en 2013, et des, je vous l'annonce, 650 000 euros qu'il y a l'année prochaine pour la création et l'innovation. Cherchons des collectivités qui font ce type d'effort en ce moment, elles sont très rares. Donc ça veut dire que c'est difficile de comparer Novart par rapport à ce budget-là. Il faudrait comparer ce que représente Novart, 300 000 euros, dans une enveloppe globale dédiée à la création à Bordeaux, qui est de l'ordre de 10 millions d'euros quand on prend une part du budget de chaque institution qui contribue à la création, bien sûr, et beaucoup contribue. Donc ça n'est pas, on ne peut pas résumer la création à ça. En tout cas, je crois que c'est une enveloppe extrêmement utile et qui nous démontre, quand on voit les différents projets, le bien qu'elle fait à notre territoire. Je propose que José Manuel nous dise un dernier petit mot et qu'on conclue cette rencontre. Je vous dirai pour ma part que j'étais très heureux de vous voir très nombreux, que nous essaierons d'en faire 3 par an, sur des thématiques et des sujets extrêmement différents, en prenant le parti, si possible à chaque fois, d'inviter un témoin, quelqu'un qui va nous amener de l'extérieur ou du territoire, d'ailleurs, une vision, une thématique, un sujet particulier. Voilà, merci encore à tous et je laisse José Manuel pour le mot de la fin. C'est un peu les tropiques ici à Bordeaux, je ne savais pas. Donc merci de pouvoir conclure maintenant. Écoutez, en tout cas, moi, encore une fois, je suis ravi d'être ici et c'est assez impressionnant à chaque fois de voir combien ce sujet qu'est l'art et la culture mobilise toujours autant de personnes. Et ça paraît toujours comme ça, une évidence de remplir des salles quand il n'est pas question de spectacle, mais quand il est question d'échange. Et moi, ça continue de m'impressionner. Et je voulais vous remercier d'être là. Et que vous dire d'autre? Je pense qu'on va se croiser dans d'autres endroits et moins dans ce rapport-là, peut-être un tout petit peu un peu formel. Et encore merci à vous. Et puis à bientôt.